Bienvenue sur Skynet Jack. Salut, c'est Jean Dujardin sur Skynet Jack. Donc on va causer tous les deux. Enfin tous les deux. Oui, tous les deux. Je t'écoute. Il faut que je parle en fait. Alors écoute, le pitch en fait, je suis là pour présenter donc OSS 117. OSS 117, donc c'est une suite, enfin c'est pas véritablement une suite du premier, mais c'est un numéro 2, voire un numéro 8, parce qu'en fait on est 12 ans après, on est en 1967, donc je sais pas si t'as vu le premier, mais voilà, on est en 67 et c'est a priori le même abruti, inculte, ignare, machiste, antisémite et raciste, mais toutefois sympathique quand même, voilà. Et il est donc envoyé en mission à Rio pour récupérer un microfilm, et il doit faire équipe avec une lieutenant-colonel du Mossad jouée par Louise Monod, qui elle veut ramener Van Zimmel, le fameux nazi méchant, en Israël pour être jugé pour les crimes qu'il a commis. Voilà, donc il doit faire équipe avec elle. Et ça donne des situations très cocasses. Hubert, vous repartez en mission. Vous êtes bien au 1617, le meilleur agent français. Oui. Enfin, le meilleur. C'est pas à moi de le dire. Nous sommes à la recherche du même homme, le professeur Van Zimmel. Êtes-vous prêt à faire équipe avec le Mossad? Les services secrets israéliens. Dame. Bonjour. Bonjour. Je suis ravi d'avoir une secrétaire aussi jolie. Je suis lieutenant-colonel de l'armée israélienne. Et l'idée est que nous travaillions ensemble, d'égal à égal. On en reparlera quand il faudra porter quelque chose de lourd. La question, c'est voilà, c'est, on s'est dit, qu'est-ce qui fait qu'un 2 marche ou un 2 marche pas? L'idée était de tuer le premier, en fait. De ne rien refaire, qu'il n'y ait aucun rendez-vous du premier. Donc, qu'il n'y ait pas Bambino, qu'il n'y ait pas de machin, etc. C'est une autre époque. Et vu que on est en époque 67, il se heurte évidemment à beaucoup de choses, à l'émancipation des femmes, aux hippies. Et forcément, l'idée était de le ternir, de le vieillir, quoi. Qu'il soit en décalage et complètement le ringardisé, quoi. Où est Heinrich Van Zimmel? Aux dernières nouvelles, il vivait dans un groupe hippie. Mais qu'est-ce donc? Ce sont des jeunes avec les cheveux longs. On veut faire autre chose. C'est pas le monde qui va se plier à vos désirs, les enfants. C'est pas 68 années de la jeunesse. C'est le vrai monde dehors. Et le vrai monde, il va chez le coiffeur. Déjà. Est-ce qu'il serait par hasard possible de consulter un fichier sur lequel il y aurait les noms et adresses d'anciens nazis établis au Brésil? Il y a forcément une amicale d'anciens nazis ou un club, une association? Le point commun finalement à toutes ces attaques antisémites ou machistes ou xénophobes ou homophobes, c'est lui en fait. C'est toujours lui qui est visé, comme dans le premier. Et c'est très amusant d'abîmer un petit peu cette espèce de France avec tous ces clichés, poncifs et autres. Tiens, j'ai mon ventre qui fait des... Ah oui. C'est parce que j'ai bu des bières hier. Enfin, des bières et des Kaipiroshka, en fait. Ça fait pas mon ménage. Ne vous inquiétez pas. Pyjama, brosse à dents. Merci, mais je ne me servirai que de la brosse à dents. Vous faites ce que vous voulez. Je pense qu'il y a l'esprit un peu Val interdite, qui font du bien. C'est que c'est pas du tout politiquement correct. C'est pas consensuel. C'est... Enfin, en tout cas, moi, en tant que spectateur, quand j'ai lu le scénar, je me suis dit, putain, c'est ce que j'ai envie de voir, quoi. Après, je crois qu'on est dans le fantasme, on est dans la salle de jeu de l'agent secret, quoi. Le truc que t'as toujours aimé quand t'es gamin. Tu vois, c'est le long week-end, tu joues avec un flingue en plastique et... Tu fais le con, seulement là, t'as un vrai décor, t'es dans une carte postale à Rio, t'as des vraies nanas avec des vraies voitures, et on te donne les moyens de faire tout ça. Le fait de faire des images années 60 comme ça, très léchées, et plus le film est léché, plus la forme est belle, plus la connerie fonctionne. Dolores, je vais être un petit peu brutal, mais il m'est impossible de m'engager avec une femme. Avec moi, les histoires d'amour ne s'écrivent pas dans le temps, ce sont des histoires courtes, compactes, passionnelles. D'aucuns ont des aventures. Je suis une aventure. Abruti. J'ai que ce mot-là. Hein. C'est le seul qu'on a trouvé parce que pour essayer d'englober raciste, antisémite, inculte, ignare, naïf, candide, abruti. J'ai vraiment là la sensation que c'est un vrai abruti. Abouti, quoi. Abruti, abouti.
Ah, vous étiez là? Vous tombez à pic. N'oubliez pas, OSS 117, Rio ne répond plus. Sorti le 15 avril dans les meilleures salles de cinéma. Si vous aimez la danse et les Chinois, vous allez vous régaler. À bientôt.